Soyez les bienvenus, on continue du côté de Châtel en Haute-Savoie pour cette fête de la belle montagne tout au long de ce week-end. Et nous sommes aujourd'hui à travers donc cette fête en une belle rencontre, notamment une figure de la place du village, c'est notre cher Laurent Blanc qui ne le connaît pas. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, vous savez, c'est celui qui organise le grand rassemblement des champs et des Alpes, hein, un peu partout. Oui, tout à fait. Le rassemblement aura lieu le 7 et 8 septembre à Bonneval. Voilà. Prenez rendez-vous du côté de Bonneval-sur-Arc en Savoie, donc le 7 et 8 septembre prochain. On espère qu'on aura le même temps qu'ici, hein. On l'espère. Beaucoup de monde attendu d'un peu partout, ils viennent. Oui, en général, on y est toujours une centaine de personnes et il y a pas mal de représentants des différents groupes musicaux. Et puis des chanteurs, bien sûr. On rendra un hommage à Jeannot, à notre ami Jeannot, et puis à Mireille. C'est qui nous ont quittés il y a... Qui était avec nous, Jeannot, il y a 2 ans, et Mireille l'année dernière, qui nous ont quittés. Mireille, voilà, qu'on pense à elle, et puis à Jeannot également, qui nous ont quittés récemment. Laurent Blanc, c'est aussi un artiste, quand même, il faut le dire, avec des dessins de silhouettes qu'on peut voir juste derrière moi. Oui, alors, j'essaye de transcrire ce que je vois en montagne, ou en tout cas ce que j'aurais aimé voir en montagne. Et donc, c'est des scènes champêtres, des chamois, des bouquetins, des vaches, des montées en alpage, et ainsi de suite, voilà. Vous faites ça sur demande ou... Non, j'ai un peu, selon mes idées, j'ai de plus en plus de mal à faire sur demande, parce que, je sais pas, les contraintes me pèsent, en vieillissant, je sais pas. Et non, en tout cas, c'est un moment de partage, et l'outil de partage, et ça permet de discuter avec les gens, et c'est sympa, quoi, voilà. Alors, vous dessinez quoi comme genre de silhouette? Alors, j'utilise du papier canson qui fait 180 grammes. Je le découpe au bistouri. Voilà. Et puis, une fois que mon découpage est fait, alors bien sûr, avant, au préalable, je dessine sur le papier noir. Et en parallèle, je fais un petit dessin de montagne que je pose derrière. Voilà. Et tout ça, tranquillement. C'est une passion, en fait. Oui, en fait, c'est une passion parce que je mets beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça fait rien. Quand je suis en train de construire un découpage, j'ai l'impression d'être avec les animaux en montagne. Profiter de chaque instant en même temps, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, donc vraiment un beau moment ici, depuis donc Châtel avec Laurent Blanc, donc avec ces très beaux dessins de silhouettes qu'on peut voir à l'écran, donc avec différentes figurines. Il y a un site internet ou pas? Oui, oui, j'ai un site internet, donc c'est www.laurent.blanc.cc comme Colette. Voilà. D'accord, bah voilà, il s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Laurent, et puis on se donne rendez-vous du côté de Bonneval-sur-Arc en Savoie les 7 et 8 septembre prochains. Oui, et puis il y aura des Suisses, des Italiens, bien sûr, tous les gens de l'Alpe. Voilà. Voilà. Gros rendez-vous, on espère, bien entendu, avec une très belle météo également. Il y aura même des Alsaciens cette année, parce que l'Alsace n'est pas trop loin des Alpes. Vous avez invité du monde. Voilà. Ben merci Laurent, à très bientôt avec Laurent dans la place du village, bien sûr, on sera présent pour ce très beau événement. Merci à vous tous. Mais moi je vais marquer un peu le but.